The Oudéum présente l'aventure épique The Last of Us. Eh bien, salut à tous, soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo sur The Last of Us. On peut dire c'est la calme avant la tempête, parce que là c'est tellement calme. Bon, on va faire nouvelle partie plus. Ah ouais, c'est parce que en fait j'ai déjà joué à ce jeu. Voilà. Bon, ouais, c'est vrai. Bon, c'est normal. Hein, je veux pas faire un découvert sur un jeu qui est sorti il y a un bon bout de temps. Pour ça, je l'ai déjà joué. En même temps, c'est mon jeu préféré. Et je pouvais pas attendre. Voilà. Nouvelle partie plus. Bah tiens, on va faire nouvelle partie plus comme ça. Ce sera mieux. On va être en normal. On va faire nouveau. On a de la place. Voilà. Ok. Allons-y. C'est parti. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey! Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est quoi? Gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bonne nuit, trésor. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Putain, oh, c'est trop bien. En fait, pour vous dire, en fait, quand j'ai eu ce portable. Il marche pas. Bon, j'ai dit portable parce que on t'en va voir. Quand j'ai eu ce jeu, j'étais en train de jouer avec l'autre télé. La télé qui fait pas du 720p, bien sûr. Et après, bah, en fait, j'ai joué tout ça. J'ai oublié de lui donner ça. Cher papa, voyons, tu n'es jamais là. Tu détestes la musique que j'écoute, tu méprises carrément les films que je regarde. Et pourtant, bizarrement, tu arrives chaque année à être le meilleur des pères. Comme tu fais. Bon anniversaire, papouni. Bisous, Sarah. Très mignon. Ben, enfin, ben voilà, et là, je joue sur ma télé qui fait du 1080p, du 720p, qui c'est tellement beau le jeu. Je sais pas. Pour vous c'est différent, mais pour moi, mais c'est trop beau. Pour l'instant, c'est un de mes meilleurs jeux. Voilà. D'autres trucs à faire.
Elle s'appelle Sarah, hein, c'est ça, non? Ouais. Ouvrons cette porte. On va essayer de faire du Papa? 100% dans ce jeu, cette fois-ci. En fait, quand moi j'ai joué, j'ai presque réussi à tout prendre, tout ce qu'il y avait. Et j'aimerais bien trouver ce que j'ai raté. Explosion des administrations dans les hôpitaux de la région. 300% d'augmentation suite à une mystérieuse infection. La liste des récoltes contaminées s'allonge, rappel massif attendu. Police, une femme hystérique tue son mari et 3 autres victimes. Ok, c'est plutôt dangereux. Je pense que les vidéos dureront au moins 30-40 minutes. Hein. On va pas dépasser les 50 minutes parce que... Voilà, je sais pas. Tu peux marcher plus vite, non? Bon, en fait, top, juste marcher. Tu es là? Que c'est en fait lié à la pandémie qui frappe tout le pays. Qu'est-ce qui t'est passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Je dois évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. Hey, on dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Oh putain. Waouh. Ça va d'exploser un truc de ouf. Papa? Putain, c'est trop beau. C'est magnifique. Hop. Ok. Ça brûle de partout. Allons-y. Oh. C'est quoi ça? C'est quoi cette machine? C'est pour sauter? Je sais pas. Hein. Je sais pas quoi ça ressemble. On va fouiller. Hein. Toujours mieux de fouiller. La télé qui est plutôt petite, hein. Il est plus petit que le mien, mais bon, on se fout. Quelle est cette petite boîte de médicaments? Bon, allons-y. Papa? J'aime bien les voix dans ce jeu. Les voix VF. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est des polices qui passent. Oh non, c'est pas. Elle a demandé qu'est-ce qui se passe, mais c'est les policiers qui passent, hein, c'est. Oh, les guitares. On peut pas utiliser. On va fouiller, hein, on est là pour ça. On est la petite fille de la maison, mais on connaît presque rien de la maison. On va bouger les tables, les chaises, malheureusement. En même temps, tout ça. T'appelles en absence? Oui, appelle dans l'absence. Et où est-ce que t'es? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Mais tu peux le prendre avec toi, tu sais. Je vais rentrer tard ce soir. Ne m'attends pas. Commande à manger. On se voit demain matin. Papa. Où est-ce qu'il est? Le chien va se calmer là dehors. Non, mais où? Putain, j'ai peur de passer par là. Oh là là. Faut rien prendre ici. C'est plutôt une belle maison qu'ils ont là. Oh là là. Top. On va bien. Ok, c'est son père. Te voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Pourquoi? Ne bouge pas d'ici. Papa, tu me dis ça, je recule de ouf. Qu'est-ce qui se passe? C'est les coupeurs. Je me mets là. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là! Jimmy! Jimmy! Wow, il va se calmer. Jimmy, je te préviens! Allez! Allez! Sarah, je l'ai vu ce matin. Écoute-moi, la situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris? Oui. Tommy, allez, allez. Qui est là? Vous n'avez pas froid? On peut dire ça. Où t'étais passé?
T'es au courant de ce qui se passe c'est dans le coin? Tire nos désirs. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. S'il te plaît. Alors que la moitié de la ville a perdu les pédales. Une sorte de parasite ou je sais pas quoi. Hey, ah, ah c'est va. Bien, on peut bouger. Bon, comment je le sais, mais je le dis. Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de portable. Pas de radio. On connaît bizarrement le deux. Bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller. Il disait... L'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. Bon, la 60. C'est la fin. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Ouais. Putain, il compte plus vite, hein. Bon, on dirait mon père, mais bon. Nom de Dieu, oh, comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Ah, la maison qui joue là-bas, il est beau. Bon, c'est triste, mais c'est beau. Le mec sans cœur. De Louis. J'espère que cette fois, il s'en est tiré. Je m'en fais pas pour lui. Il est malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien. Voyons ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Continue! Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Oh non, on ne vous respecte pas. Vous n'avez rien. Reculez derrière. Quelqu'un d'autre. On va écouter. Hein. On va ok. Papa? Hey! Hey! Wow, beau travail. Recule ma puce, recule. Et ben enfin on joue notre personnage principal. Monsieur Joël, je vais. Pour ça, on s'en fout. Le mec là-bas il est défoncé dans le jeu. Je suis là chérie, donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la jambe. Mal comment? On va devoir courir. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. Mais on court, frère. Regarde. Papa, j'ai peur. Ah, oui. Regarde. Garde les yeux fermés, ma puce. Ok. Il y a un voiture là. Courez. Tout le monde va là-bas. Ne regarde pas, Sarah. Moi, je regarde. Je sais pas. Et Tommy, t'es où? Putain, dis-moi, Tommy. Regarde-moi, ma puce. Par là-bas.
On va sortir. Frère, t'es mort. C'est promis. Mais tu respecteras. Mais pousse-toi, toi, connard. Voilà, meuf, pousse-toi. Il est pas fort. Bah, est-ce que je t'attends, hein? Marche comme Dieu. En fait, j'ai déjà vu des let's play et j'ai joué. Oui, bon, j'ai oublié, ça, c'est sûr. Mais non, hein. Non, 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 j'ai oublié. Hello. Ne mettez pas plus, je t'en veux. On y est presque. On y est presque, mon cœur. Putain, il fait peur. Rêve, on fout de toi. Moi, je vais partir de là. On y est presque. Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est un... Oh putain! Non, 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 c'est oublié. Cours, cours, cours! Putain, j'ai peur. J'ai pas envie de me faire attraper. On a besoin d'aide. Stop! S'il vous plaît, c'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas! Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Il crève pour ce mec. Non mais il est où? Oh non. Sarah. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, non, pitié. Oh Dieu. Pitié, pitié, pas ça. Pitié. T'envoies les larmes. Oh non, moi, c'est payant, on voyait pas. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Ouais, j'arrive.
Il doit avoir la cinquantaine. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens ? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On a que quelques heures avant le couvre-feu. Ah ok, pourquoi je vois pourquoi il est habillé comme ça. C'est parce que c'est moi qui choisis les habits. Ouais. Ouais, c'est moi, chemise marron ou... chemise en jean, manche courte, manche longue, c'est ça. C'est ce que j'avais mis. En fait, moi je me souviens. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Hein. LOL. J'ai été choisi pour travailler hors de la zone. En fait, dans ce jeu, il n'y a pas de mission. Ça, je sais pas ce que je m'arrête. Regarde ça. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provisions. Ouais, la meuf. Elle est là-bas. Mais en fait, je t'entends voir ce qu'il avait fait parce que j'ai pas regardé. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. C'est bon. Circulez. J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer.
Comme par hasard. Joël, on y va, allez. Tous les civils ont l'obligation d'évacuer les environs immédiatement. Je cours vite, hein, la meuf. Moi, ça a déjà fait. Attention, le poste de contrôle 5 est fermé jusqu'à nouvel ordre. Ça aurait été trop beau. Rafistole-toi, ok? Ok. Ah ouais, ok, je pensais que j'étais full vide. On ferme tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer. C'est ça. Et Tess, t'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. RAS, les gars, rien à signaler. On va rendre visite à Robert. Vous aussi. Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Ok, le mec il était là-bas, mais après il est venu, c'est d'où. Tu sais que tu pourrais partir à ta place, t'as soin. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Super, hein, j'adore. Oh là là. C'est nous. Salut les gars, comment ça va? Ah, je vais te tuer. Le bordel dehors. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Oh, bouge vicieuse. Joël, tu peux m'aider à penser ça? Ouais, ouais, mais attends, je fouille d'abord, on ne sait jamais. Non, mais où? Pourquoi la bouteille ne tombe pas? Ouais, 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 je m'en fous. Ah, sans peste. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Allons prendre notre matos. On n'a pas des trucs ici? Bon, ouais, je vais revenir parce que là, j'ai pas de lampe-torche. Ça je sais. Non mais tout le monde sait faire ça. Hein. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Hop. Pas beaucoup de munitions. Les gaspilles pas alors. Hop. Là, tu attends, moi je fouille d'abord. Je fouille, c'est mieux parce qu'on sait jamais. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que tu veux? Non, tu attends, je vais d'abord faire le tour. J'ai dû faire le tour, tu m'attends. Ouais, ouais, attends. Hop. Hello. Hop, il n'y a pas de munitions, je peux voir. En fait, c'est toujours mieux de fouiller, hein, parce que c'est toujours mieux. Allons-y, y a rien. Bon, je pense qu'on est un peu non. On va envoyer plus de vidéos. Là, on est à 30, 28 minutes. Voilà, bien haut, hop. Ouais. Bien, dame. Allez. Moi, il y a ma manette qui vibre, je sais pas pourquoi. Ah, je suis en tête de live, moi. Allez.
Bon, fouillons. Le mec. C'est une question piège. Hop, c'est ça. Je vais chercher le bouton. Ça peut servir, hein, je vous dis. Comme j'ai que 4 munitions de pistolet, c'est un peu compliqué. C'est là-bas, on va aller voir sous le truc. Attends, on peut pas courir, c'est chiant ça. Toujours rien. En fait, on ne sait jamais, hein, il peut toujours pas quelque chose. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, pour ça je vais plutôt être un peu long, perdre ma main. Il est pas de la main, hop. J'étais pas venu ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben je suis du genre romantique. T'as d'autres atouts. Son bras est parti en couille. Enfin, Elle est où l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Je sais où elle est. Elle est là. Non mais où? Je l'ai. Super, rapporte-la ici. Initiation débloquée. Ok. Mais non, je passe devant. Non, je rigole. Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Hop. Tout est relatif. Par ici. Putain, le truc de billard, il est défoncé, il est dégoûtant, il est... Bon. Y a-t-il quelque chose? C'est-à-dire des munitions? Des bombes? Le truc, la maison, elle est défoncée, elle est massacrée. Non, je vais pas l'avoir en fait. Ah, voilà. Hop, on prend tout. Allez, oh, vous avez vu. Il ne reste que 20 trucs à voir, après c'est bon. Là, je serai à fond. En fait, j'ai tout trouvé. Ça, plutôt... plutôt bien. En fait, il faut jouer plusieurs fois pour avoir un bon truc. Parce que si vous pouvez pas, si vous connaissez, si vous jouez pas plusieurs fois, vous ne pouvez pas. Hop, courir, parce que c'est plutôt long. Hop. On le sent. Pour monter des rituels, la flemme de. Encore, j'ai cette merde. Hop, lire. Ah, pour l'instant, j'ai porté par un monde, mais je suis ok. Tourner. Retourner. Hop, on y va. Faut descendre par là. Ah ouais, j'ai compris. Hop, on y va. J'espère. Pour son bien. Notre marchandise, on devrait pouvoir les couler. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. Ouais, il rapporte toujours quelque chose. On aura de quoi faire pour un moment. Oh là, il y a du sport. Attends, des sports. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il n'y avait rien la dernière fois. Forcément quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. C'est... on peut dire... dégueulasse. Oula, mais ils se font massacrer ces gens. C'est comme une maladie de merde dans ce truc. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde! Ça va? Ouais! Le plafond est un vrai gruyère, attention! Alors on passe par là. Hop! Ouais, c'est par là, on va passer, non? Par ici. Faites attention. Hop! Doucement. Putain! Attention, attention! Aidez-moi! Mon masque a pété. Ne me laissez pas muter! Pitié! Tu vas pas.
Oh, je sorte Greg, comment je le tue? En route. Enchanté glace, moi je le tue. Non mais où? Qu'est-ce que je vais faire? Mais je le tue moi. Tant que j'ai de l'argent, tant que j'ai des munitions. Attends, on va pas passer par là. Plutôt aller passer à l'autre côté. Toujours utile d'aller de fouiller partout. Hein. Parce que un moment dans le, tu vas mettre dans le poche comme moi, tu vois. Ça va avoir dans le visage. Non, malheureusement. Hop, c'est bien qu'ils ont mis de l'autre côté. Hop, ils sont. Non. Ici, il y a quoi? Je suis déjà perdu. Non, oui. Faut passer par là. Là, il faut aller fouiller vers ici. C'est mieux qu'il va voir là. Bon, y a rien. RASE. Oh lol. Bon, en fait, il y a des gens qui ne savent pas. Ça veut dire quoi RAS? Ça veut dire rien à signaler. Bon, je l'ai dit pendant le couloir, mais. Silence, frère. Vous amusez bien. On va aller discrètement par là-bas. Pourquoi moi je chute? Je sais pas. En fait, allons-y, la voie, et après on va se laisser là. Parce que j'ai pas envie de vous laisser ici. C'est plutôt dangereux. Non, t'as rien entendu, elle est la meuf. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fous? Putain, les policiers, je pense, hein, faut pas. Je peux pas faire trop ce que je veux. On peut monter. Normal ça. Je vais te calmer, oui, j'ai la meuf, elle court. Le pas se mais laisse tomber. Hop. C'est quel est cet endroit où il y a beaucoup de à faire en fait. Hop. Et voilà, j'ai trouvé. Il y avait juste des munitions de pistolet. Quoi. Ça va, vous mangez bien, bande de cons. What the fuck? D'où est-ce que... Dans le crâne. Mais... Comment ça se fait? What? Mais... Merde, j'ai couru, je pense, en fait exprès. Oh... Allez, allez, on retourne en ville. Mais j'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Quelle de la merde, d'ailleurs. Oh là là, mais en fait j'ai appuyé sur L2 sans faire exprès. Truc, notre frère. Salut frangin, on est si proche, je suis là au pied du mur, sachant que je n'entrerai jamais dans le zoo pendant qu'on attendait le passeur. On a entendu une escouade de soldats approcher. Dans la panique, on est entré dans le bâtiment pour se cacher, ce n'est qu'après qu'on a embarqué les sports. On est tous infectés, il nous reste quelques heures, un jour tout au plus, j'espère que le passeur viendra quand même, que je puisse au moins lui remettre cette note, j'aurais dû écouter et venir avec toi dans la zone tant que je le pouvais, maintenant il est trop tard, prends soin de toi Marc, t'es con,
Voilà, tout simplement. Désinfecter, essayer de s'infiltrer dans la zone. Même si tout le monde se plaint, il y en a tout un tas qui rêveraient de vivre à l'intérieur de la zone. Enfin, c'était pas ici, non, en bas. Bon, on s'en fout. Hop. Descendons, et voilà. Bon, on va s'arrêter ici pour cette étape. Et tu dis ça et tu jettes dans l'eau. Ce que j'aime ici, c'est ça. Bon. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Bon, je vous dis merci d'avoir vu cet épisode parce que là, on va être plutôt long sinon parce que 42 minutes pour moi. Bon, je pense qu'il y aura un petit coup de pour vous. Sur ce, je vous dis merci d'avoir vu cet épisode. On se retrouve très vite sur une prochaine. Sur ce, je vous dis bye bye tout le monde.